Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux véhicules, enfin la nouvelle personnalisation de véhicules de Fortnite. Donc depuis aujourd'hui la mise à jour, ils ont rajouté des pneus tout terrain sur Fortnite que vous pouvez trouver par exemple dans des garages. Donc là apparemment, le véhicule a déjà été modifié. Attends, mais il y a un ennemi à l'intérieur, c'est pas possible. Ah ouais, il y a un ennemi effectivement. Attendez. On tue lui. Voilà, en fait il avait déjà modifié. Donc lui il a récupéré des pneus ici par exemple, voilà, juste ici. Et en fait il a lancé les pneus sur la voiture. Et regardez un peu les pneus, comment ça fait maintenant. C'est un truc de malade. Regardez, attendez. Hop. Regardez ce que ça fait. Genre une pente comme ça, ça le monte sans problème. Voilà. Donc c'est super cheaté. Pour avoir une super grosse pente, vous pouvez monter avec votre véhicule. Donc regardez, on va monter cette pente là. Que logiquement, on pouvait pas avant. Alors, regardez, hop. Bon, là, il a un peu de difficulté. Elle est peut-être un peu trop, un petit peu trop verticale, la pente. Mais voilà, en tous les cas, avec ce véhicule, maintenant, vous pouvez voyager dans toute la map très rapidement et très facilement. Parce que c'était relou, hein. À chaque fois avec les véhicules, fallait aller sur la route. Et c'était assez relou. Donc là, il ne manque pas cette pente-là. Donc, on va essayer avec un autre véhicule. On va essayer avec un camion là, pour voir ce que ça donne. En plus il a abîmé mon véhicule là. Celui-là il est très stylé. On va essayer avec ça. Ah ouais. Donc, voyons voir là si ça monte. Ça monte. Vous avez vu la pente que ça monte? Avec un peu de difficulté, mais ça monte. Et quand vous êtes dans l'herbe et tout, voilà, vous allez super vite quoi. Comparé à avant, quand tu étais dans l'air, tu faisais du 2 km/h. Oh là 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 là, ça rebondit partout. What the fuck? Attendez, je vais chercher après des autres pneus. Bien souvent, vous les trouvez près des pompes à essence, hein, les pneus. Donc, je vais essayer d'en trouver d'autres. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur d'autres véhicules. Et je vais vous montrer aussi que vous pouvez les faire apparaître comme ceci. Vous voyez? Comme ça. Là. Attendez, je vais chercher d'autres trucs pour vous montrer ce que je dis. Ok, donc j'ai trouvé des autres pneus. Voilà. Toujours près des pompes à essence, on en trouve. Je vais regarder si j'en trouve pas encore un autre stack là. Ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Par contre, regardez ce que je vous disais. Si vous lancez le pneu comme ça par terre, boum, ça vous fait un rebondisseur. Et après, vous pouvez les récupérer. Donc c'est plutôt pas mal, regardez. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est pour rebondir dessus. Après, vous pouvez les récupérer. Et regardez, je vais les mettre sur ce véhicule-là. Putain, ça a de la gueule, hein, ça a de la gueule. Et là, logiquement, je vais aussi vite dans la terre que... Ouais, évidemment, il faut que je me bloque. Évidemment, bien joué, soit cool, bien joué. Là, on va casser ça, voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que ça fonctionne dans l'eau? Ouais, nickel, ça fonctionne dans l'eau, calme. Et regardez, c'est vraiment tout terrain, hein, franchement. Trop stylé. Maintenant, sur Fortnite, on va pouvoir voyager super rapidement grâce à ces véhicules. Et franchement, c'est super cool de la part d'Epic Games. Enfin bref, voilà, je vous ai présenté les véhicules, les nouveaux pneus. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mec et ciao. Peace. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh.